fantastique. Salut les amis, vous avez vu la nouvelle collection? J'ai découvert que Sue voulait devenir créatrice de mode. Ah, c'est un joli métier, mais je pense que je suis meilleure qu'elle pour la création des vêtements. J'adore habiller mes poupées. Oh, mais qu'est-ce que... Sam! Samantha, c'est une belle journée pour jouer au foot! Viens! Sam, tu as tout gâché. Ça fait une heure que je bosse là-dessus. Maintenant, tout est fichu, hein? Ah. Oups! Les amis, on dirait bien qu'on ne jouera pas au foot aujourd'hui. Samantha, ta collection de robes ne pourra pas être sauvée. Regarde, même mon scotch magique ne peut rien faire. Va-t'en, je ne veux pas te parler. Je vais m'en aller, d'accord? Mais laisse-moi te faire un cadeau pour m'excuser. Des excuses? Exactement. Choisis ce que tu veux et ne me remercie pas. Vraiment génial. Tu as décidé de fêter le sabotage de ma nouvelle collection avec des ballons. Mais non! Tu voulais faire mieux que Sue avec ta collection de robes. Elle fait les siennes à partir de ballons. Sue a une idée très ingénieuse. On verra bien qui sera la meilleure créatrice. Et mon merci, il est où? Et les gars, j'ai des idées géniales pour faire des vêtements de poupées. Ces tenues vaudront tous des défilés de haute couture. Tu oublies quelque chose? Oh, pile poil! Merci, Sam. Nous allons te faire une robe. Comme je l'ai dit, on va faire un véritable défilé. J'ai hâte de voir ça! Pardon? Tu as déjà vu des mannequins défiler en portant des ballons? Les ballons ne sont qu'une base pour les robes qui seront un modèle miniature de vrais modèles. Pourquoi est-ce que je me fatigue à t'expliquer? Ok, j'ai juste besoin de l'enfiler. Comme ceci. Et maintenant, on met ceci. Voilà! On étire cette bande élastique à travers cette partie et on la passe par-dessus la tête. Ah, voilà! Tu ne crois pas qu'il fera trop chaud pour que tes mannequins portent des robes en ballon? Très drôle! Tu ferais mieux de jeter un œil à cette superbe robe. Sérieusement? Il fait super chaud sous ce ballon! Mais c'est vrai que cette robe est très cool! Les amis, aujourd'hui je vais fabriquer 5 superbes tenues pour les poupées. Regardez attentivement, on fera un vote à la fin de la vidéo. Yeah! J'adore les votes! Oh, the single ladies! Oh, the single ladies! Oh, the single ladies! La 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 la. Oh, les amis, maintenant je vais faire quelque chose de super cool. Une combinaison hyper élégante. Je vais d'abord couper le ballon comme ceci. Soigneusement. Puis je vais le couper ici aussi. De manière à avoir deux rubans, vous voyez? Je coupe ensuite doucement au milieu, tout doucement. Voilà. Et puis je découpe le bas. Ça y est. J'ai besoin d'un autre ballon afin de faire le haut. Tu es encore en train de faire de la haute couture? Tout à fait. Et maintenant, je fais une combinaison. Mais les combinaisons, c'est pour les maçons. Non, Sam, tu te trompes. Sache que je ne me trompe jamais. Tu me feras un chapeau avec un ballon. Tu n'as pas dit que ça te donnerait chaud? Je me suis déjà habituée. Très bien, je vais le faire moi-même. J'ai quasiment fini d'habiller une nouvelle poupée. Je n'ai plus qu'à lui mettre ses bretelles. Et une. Et deux. C'est super joli. Les amis, si vous préférez cette combi short à la robe, écrivez-le dans les commentaires. C'est très important pour moi. Oh! Et tu crois que je pourrais en avoir une comme ça? Fini de faire ton chapeau d'abord. Fini de faire ton chapeau d'abord. Là, là, là! Samantha, regarde le chapeau que je me suis fait. Au moins, je suis sûre que tu ne me feras pas de concurrence. Évidemment, tu ne fais pas dans les chapeaux. Essaie d'en faire, ne serait-ce qu'un seul. J'ai une bien meilleure idée, en fait. Je vais avoir besoin de ces ballons pour ça. Tout d'abord, je vais couper un mini short pour la poupée en découpant ici et là. C'est super facile. Essayons-le. J'espère que ça va lui aller. Oui, il lui va ravir. Super! Maintenant, je vais lui faire un haut. Je vais découper le ballon comme ceci. Ce top aura même un dessin imprimé. Et ce sera un haut asymétrique. Il y aura un côté de découvert. J'ai donc besoin de lui découper une ouverture pour le bras, un minuscule triangle,
devrait faire l'affaire. Ça a l'air nickel jusqu'à présent. Super. Il ne me reste plus qu'à lui mettre. Allez! Hé, Samantha, je vois que tes idées sont de plus en plus originales. La Fashion Week n'a pas vu de top assorti à des mini-shorts depuis bien longtemps, c'est vrai. Attends, je n'ai pas fini. Il me faut juste un ballon supplémentaire. Regardez attentivement maintenant. Je vais faire quelques coupures ici. Et là. Afin d'obtenir une forme inhabituelle. Je ne comprends pas. Attends que je le mette sur la poupée et tu verras. Une superbe jupe. Ah! Ces vêtements n'ont pas l'air super confortables. Ils n'ont pas besoin d'être confortables. Ils doivent juste être jolis. Les créateurs de mode sont vraiment bizarres. Ok, ma prochaine création aura besoin de deux ballons. Ces deux-là. Je vais faire un haut avec le jaune. Je découpe en haut. Et en bas. Et j'ai besoin de faire deux ouvertures pour les bras cette fois-ci. Encore des petits triangles. Et c'est bon. Et maintenant, je vais l'enfiler sur la poupée avec précaution. Ah, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ah. Allez, Samantha! Go, go! Tonnerre d'applaudissements pour Samantha, s'il vous plaît! Ça y est! Maintenant, faisons une jolie jupe avec ce ballon. Il aura deux épaisseurs. Je vais découper la partie blanche pour faire la première épaisseur. On met ça à la poupée. Sam, tu veux bien m'aider? Non merci, mais quand tu seras devenue une grande créatrice de mode mondiale connue, j'attendrai un email de ta part. Ok, alors je vais devoir dire à Sue que c'est toi qui m'as parlé de son idée avec les ballons. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien, j'ai terminé. Regarde cette superbe jupe que j'ai faite. Demandons à nos spectateurs ce qu'ils en pensent. Les amis, si vous pensez que cette jupe est géniale, écrivez-le dans les commentaires. Et ma dernière création sera une petite robe de soirée. Mais Coco Chanel ne l'a-t-elle pas déjà inventée? Elle a inventé la petite robe noire. Alors que la mienne peut être de n'importe quelle couleur, par exemple ce magnifique violet brillant. Ça n'est pas la même chose? Le monde de la mode est fait de détails, Sam. Essayons cette robe sur notre jolie poupée. Regardez la robe magnifique que l'on peut faire juste avec un ballon. Créer la mode n'a pas l'air d'être un travail très difficile. Je pense que je vais m'y mettre aussi. Les amis, aujourd'hui, Samantha a créé 5 tenues de poupées pour vous. Personnellement, j'aime beaucoup la combinaison. Et quel modèle a le plus plu à chacun d'entre vous? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt, bye bye.